Hey, what's up YouTube, j'espère que tu vas bien. What's up mes lutins. Bon, bien voilà, du coup on se retrouve déjà pour le troisième jour. Là pour le moment, comme l'année dernière, on peut encore le faire sur les doigts. Troisième jour du calendrier de l'Avent. Ils galèrent pas trop là pour trouver encore. Non, ça va, trois, ça encore. Il y a trois, ça va. Bon, par quoi voulez-vous commencer aujourd'hui, monsieur? Par quoi on commence aujourd'hui? Oui, puisqu'hier vous avez décidé de changer l'ordre des passages de Eh bien, on va commencer par le FAQ. Ah oui. Allez, c'est parti. Allez, bon, bah, générique. Bon, et bien du coup, dans la vidéo d'hier et d'avant-hier, on a sélectionné une question, deux questions. Deux, parce qu'il y en a une. Il y en a une, ça va être très rapide. Très rapide. Et l'autre question, par contre, est-ce qu'on en parle de notre question? Ouais, franchement, merci pour cette question parce qu'elle nous fait gamberger depuis hier soir. C'est que là, en train de vous parler, je suis encore en train de réfléchir à ce que je vais vous dire. Mais bon, du coup, Olive, tu... Mais la première question, si on nous a demandé si on avait des animaux, donc la réponse est non. Si, on a Olaf qui est là. Mais enfin, on a que pas. Des animaux en peluche. On a Groot qui est là, mais... Ça se voit, est-ce que ça se voit que j'aime pas Groot? Ou alors vous devez vous demander pourquoi c'est pas le même Groot, c'est parce que... Celui-là nous a fait une scène de jalousie, ouais. Il voulait à tout prix ouais. être avec vous, donc... Ouais. Et puis Groot, mais Groot est jouer, surtout parti jouer, mais vous le verrez ce week-end, voilà. On va vous montrer ça ce week-end. Moi je voulais vous le montrer ce soir, mais il n'a pas voulu. Non, donc, parce que j'ai pas le temps pour faire le montage, sinon à 20h30 vous n'aurez pas la vidéo. Donc mais vous verrez où il est parti samedi. Donc voilà, pour répondre à ta question, non, on n'a pas, d'animaux, parce qu'en fait... On bouge quand même beaucoup, alors ouais. C'est vrai que cette année on aurait pu avoir un animal, hein, ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais bon, en temps normal on bouge quand même pas mal et... Oui, voilà. c'est assez contraignant quand même, même si on... moi j'adorerais avoir, un petit chien. Absolument pas complémentaire. Autant on est complémentaire sur tout, je pas sur ça. Je plaisante. Non, je plaisante. J'aurais préféré un petit chat. Ouais, un petit chien à moi. Mais j'ai trouvé ça très drôle. Donc, et du coup, la deuxième question qu'on a eue, c'est... Alors, prenez une feuille blanche. Vous avez 4 heures. On va vous poser la même question. On voudra dans les commentaires que vous nous... Répondez-nous à cette question aussi. Que vous nous répondez à cette question parce de que... Ouf. Elle est vraiment très très bien, moi j'ai trouvé. Donc on nous a demandé si on devait vivre dans un Disney ou Disney Pixar, lequel et pourquoi. Lequel ça serait et pourquoi? Eh ben moi j'ai choisi... Mais lui là, moi, sa réponse, il va vous la dire. Moi j'ai voulu choisir celui-là, mais monsieur le chef là m'a répondu non parce qu'elle a pas dit Marvel. Ah oui. Dans sa question, elle ne demandait pas à Marvel, mais sinon, bon voilà, vous imaginez que j'aurais voulu vivre un bébé Groot. Mais sinon, sans hésitation, c'est Toy Story. Parce que voilà... Voilà pourquoi j'ai dit lui sa réponse, là, parce qu'il prend Toy Story. D'abord parce que c'est mon film préféré. Ah, c'est vraiment mon film préféré. Le truc, j'imaginais... De ce que faisaient les jouets quand on n'était pas là, quand j'étais petit. Mais je pense qu'on l'a un peu tous déjà imaginé d'ouvrir la porte pour voir si le jouet avait bougé, enfin tous ces trucs-là. Et forcément, bah, en premier lieu, j'avais pensé à Toy Story. Je me suis dit que c'était un peu trop la facilité, n'est-ce pas? Parce que ça reste notre Disney préféré, mon Disney préféré avant lui. Oui. Mais je suis cohérent. Oui, il reste cohérent parce que j'aurais dit Toy Story aussi. Mais j'ai bien envie de dire un truc du style de là-haut. Un truc du style Peter Pan parce qu'on peut voler avec la poussière de fée. Par et contre, ça serait grave kiffant et j'aurais dû y penser parce que c'est vrai que moi c'est la sensation que j'adore, c'est voler. Mais en gros bah moi ça serait Peter Pan si je devais choisir Peter Pan et là-haut juste pour aller voir les chutes du paradis parce que ça a l'air trop beau. Ouais, puis parce qu'il a dit qu'il avait envie de et puis je rencontrer veux... les chiens qui et puis parlent. Je veux entendre les chiens et qui parlent et puis je veux rencontrer Kevin parce qu'ils ont le point commun d'aimer le chocolat donc voilà pourquoi. Donc voilà, on a répondu à ta question et ben je pense que maintenant on va donner la réponse au jeu. Bon ben, vous avez été encore pas mal à répondre. Oui, encore beaucoup à répondre même. Merci beaucoup encore déjà beaucoup. Pour votre participation. On est trop content que ça vous plaise. Nous on s'éclate trop et du coup content que ça vous plaise. Et du coup, ben, regardez la réponse. Je pense que vous avez hâte de savoir si vous avez simple. Bien répondu. Dites-nous si c'était simple. C'était simple. Mes chéris, installez-vous au piano. Allez, dépêchez-vous. Dépêchez-vous tous les deux. Oui, maman. Oui, maman. C'est l'heure de faire vos gammes et vos arpèges. Bon, ben voilà, comme vous venez de le voir, c'était bien les Aristochats. Bravo à tous. C'était bien les que des bonnes réponses. Ils sont trop mignons.
je veux un aristochat. Enfin, je veux un chat. Il veut un aristochat. Je vais aller me coucher, moi. Donc voilà, du coup, bah, merci à tous d'avoir participé. Ça vous fait une chance supplémentaire pour être tiré au sort lors du tirage au sort. Le 25 décembre. Le 25 décembre. Pour un cadeau que vous ne connaissez toujours pas, mais vous allez bientôt le savoir aussi. Oui, parce que quand même, il faut... Ça va arriver. Ce week-end, on va vous l'annoncer. On va montrer tout ça. Je crois que vous allez tout savoir ce week-end. Ouais, on va vous montrer tout ça. On va vous annoncer le lot du concours. Bref, ce week-end, ça va être trop bien parce qu'on va vous faire des petites annonces. Enfin bref, du coup, on passe maintenant à... L'ouverture des cases. Bien, donc hier, c'est toi qui a commencé. C'est moi. On a simplifié, un coup lui, un coup moi. Comme ça, on va voir si on arrive à suivre. Mais allez. Je veux trop de Mimi Géniard ou Luna Lovegood ou Rupin. Moi, j'aimerais tellement Harry Potter. Ou Rogue. Mais ouais, Harry Potter, tu l'as eu, frère. Déjà, je ne peux pas le trouver, excusez-moi. Avec le petit doigt, ça marchait bien. Ouais, c'était mal, le petit doigt. Alors, je sais pas, je vois rien du tout. Vas-y, ouvre. Voilà. Et là, nous avons je vois pas, joli je sachet. C'est Luna Lovegood. Vous permettez, c'est à moi de m'exciter. Merci. Sur mon calendrier. Là, il n'y a pas le temps d'exciter. Elle est trop belle. Tiens, déviens-toi pour moi. En fait, que moi j'ai pas besoin de ciseaux, hein. J'y arrive très bien tout seul. Ah non, parce que moi je connais les personnages. Donc voilà, vous allez la voir sur le petit plateau comme d'habitude. Vous connaissez. Et souci du détail. Elle est beaucoup trop belle. Moi je la trouve presque plus belle que dans le film. Il faut savoir que Luna Lovegood, c'est une des pop que je veux absolument de Harry Potter, mais qui coûte extrêmement cher. Donc j'avoue que dans ce calendrier là, voilà, je la voulais. Donc même en petite, mais je suis quand même content de l'avoir. Alors, pour ce troisième jour, c'est dur à ouvrir. Voilà. Donc, pour ce troisième jour, on a un sachet vert. On va ouvrir. Bon, il a pensé aux saisons, moi j'y avais toujours pas pensé. Bon, j'ai fait quoi? Alors, on a les Luna Lovegood, le truc que j'attendais trop. Et on a Monsieur le Maire, le truc que j'attendais trop de ce calendrier. Monsieur quoi? Monsieur le Maire. Ah, Monsieur le Maire. Articulez oui. Bien quand vous parlez. Ah, j'étais trop content. C'est un des personnages de Jack que j'attendais le plus de ce calendrier. C'est pas parce que c'est un de mes personnages préférés de Jack. C'est pas Jack en mer. Enfin, c'est un de mes personnages préférés de L'Étrange Voyage de Monsieur Jack. Il est beaucoup trop beau. Et j'adore. Par contre, est-ce que la tête tourne? Ah, est-ce que... Non, bon, ils ont pas poussé le truc jusqu'à faire tourner la tête. On va pas abuser. Mais ah, elle est trop belle. D'ailleurs, faut que je m'achète la Funko Pop. Je te passe un message tout de suite. Je vais l'acheter à mon oreille. Mm-hmm. Voilà. Elle est trop trop belle. Ah, je suis vraiment trop content. Elle est vraiment très stylée. Bon, bah, j'espère. Et bien aujourd'hui, l'ouverture. J'espère que vous aimez l'ouverture du jour. L'ouverture aujourd'hui, c'est 100% gagnant pour moi parce que du coup, lui, il s'en fout. Mais pour moi, ah, je suis trop content. C'est trop bien. Bon, on passe maintenant au jeu. Le moment le plus important, je pense, de la vidéo. On passe au jeu. Le jeu. Ça vous dérange pas? On a une vidéo, on a des gens qui nous attendent. Excusez-moi, j'étais en train d'admirer cette ouverture juste exceptionnelle aujourd'hui. Ils attendent la question du jour, ils sont prêts à répondre. Donc ce soir, on va vous laisser avec du Pixar, puisque hier on était en Disney classique. Donc on va faire un coup Pixar, un coup Disney classique. Un coup Pixar. Un coup Pixar. On va faire un petit coup Pixar et un coup Disney classique, ok? Ou alors pas du tout, on verra. On verra sur notre... Allez, on part pour le Disney Pixar du coup. Et puis bon, on vous met l'extrait tout de suite. Ils sont grands. Oui, très très grands. Est-ce qu'ils sont très colorés? Oui, très colorés. Est-ce qu'ils aiment le chocolat? Oh oui, le chocolat. Bon, et bien voilà, maintenant que vous avez eu le petit extrait audio, est-ce que vous avez deviné? C'était pas encore très difficile. Non, je pense qu'on montrera un petit peu en discuter. C'est encore assez simple. Il ne vous reste plus qu'à mettre le petit nom du Disney directement en commentaire avec votre question pour la FAQ si vous en avez toujours une. Et puis, Surtout, n'oubliez pas, on vous a demandé de répondre à notre question FAQ aujourd'hui. On nous a demandé quel Disney, Pixar
Enfin, dans quel Disney ou Disney Pixar aimerais-tu vivre? Ah, c'est dur, hein. C'est dur, les gars. Vous avez 4 heures. Je compatis avec vous, c'est difficile. Très curieux de savoir quel Disney, pourquoi. De ouf. Ça me ferait très très plaisir de vous lire. Oui. Bon, en fait, les réponses se feront un petit peu avec 24 heures, en fait. Oui, en fait, si vous voulez, dès que la vidéo sort, comme là, vous êtes en train de voir celle-ci, les questions, enfin, du coup, les réponses que vous mettrez sur la vidéo d'hier seront pas prises en compte. Non, et puis, parce que forcément, je vous donne la réponse. Ouais. Donc, du coup, effectivement, je répondrai, en fait, à un jour de décalage sur les vidéos, pour que ce soit plus simple pour nous, pour prendre vos pseudos, etc., pour pouvoir mettre dans la liste. Et puis, ben, pour moi aussi, savoir quel commentaire est arrivé à temps, et etc. Mais rassurez-vous, on lit vos commentaires. Mais on regarde dès qu'ils arrivent. Dans tous les cas, vous le voyez, parce que je mets un petit j'adore, un petit like en général. Ouais. C'est mon petit jeu, ça vous m'aide. Ça m'éclate. Moi, dès que ça me concerne, je réponds en plus tout de suite, oui. Parce que je... Un petit mot, j'aime bien, j'ai déjà eu 2-3 messages... qui m'ont bien fait rire. Il est tout content. Ah, mais vous êtes. Mais vous allez chercher vos messages, enfin vos commentaires. Des fois, je me dis, mais. On rigole en fait. Enfin, c'est tellement drôle. Je me dis, mais où vous allez chercher ça? Mais moi, vous je êtes sais très, pas. Très drôle. On vous adore. Non, franchement, c'est grave. On est très content de vous retrouver. Oui. Et c'est déjà la fin du troisième jour. Et c'est déjà la fin du troisième jour. Du coup, on va vous laisser pour pas que ça dure 30 ans non plus, parce qu'on va essayer de faire des vidéos assez courtes quand même. Ouais. Merci infiniment, on espère que ça vous a encore plu aujourd'hui. En plus, l'ouverture d'aujourd'hui, c'était trop bien. On vous fait des gros bisous, prenez bien bien soin de vous et on se retrouve demain soir, ici même, à 20h30. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.